Histoire d'enfants sur leur ami imaginaire. Quand ma fille avait 3 ans, elle avait une amie imaginaire appelée Kelly qui vivait dans son placard. Kelly s'asseyait sur une petite chaise quand elle dormait, elle jouait avec elle, etc. Les trucs typiques d'amis imaginaires, quoi. Dans tous les cas, 2 années plus tard, ma femme et moi regardions le nouveau Amityville. Notre fille marchait juste au moment où la fille morte a les yeux noirs dans le film. Loin d'être perturbée, elle a dit « Ça ressemble à Kelly. » « Et Kelly qui ?» avons-nous répondu. « Vous savez, la fille morte qui vit dans mon placard. » Quand mon frère était petit, il agissait comme si des esprits lui parlaient à tout moment. Un jour, ma mère l'a entendu dire « Je ne peux pas le tuer, c'est mon seul papa. » Étrange ces histoires, n'est-ce pas? On se voit au prochain TikTok. Bye bye.